Alain Bruno, du coup, mais bonjour. Salut. Alors, nous sommes ici chez Junior Robinet à l'occasion des 2 ans de la disparition de notre ami Guy Robert. Alors, quel est votre sentiment? Une immense tristesse m'habite parce que Guy, grand Guy comme je l'appelais, ce n'était pas simplement un artiste comme les autres, c'était un brillant homme. C'est quelqu'un qui m'a appris tout au long de mon parcours. Même lorsque je me suis marié jusqu'à aujourd'hui, ça fait 17 ans de mariage, Guy m'a toujours accompagné. Guy, ce n'était pas que celui que vous connaissez. Guy, c'était quelqu'un, un esprit franchement révolutionnaire et brillant. Il me manque énormément. Et aujourd'hui, à cette date, je tiens à rendre hommage à notre frère Junior Ebene, le manager de la diaspora, qui a tenu à nous revenir ici ce soir. Les gens qui ont connu Guy, qui ont été avec Guy, qui ont bossé avec Guy, qui ont cravaché avec Guy et qui l'ont vu jusqu'à ces derniers jours. Je suis par exemple avec un frère à moi, Valdez, Tintin, qui l'a vu le dernier à Yaoundé. C'est le dernier qui a vu Guy de toute la diaspora avant que Guy ne parte. Donc nous sommes ici réunis de façon pieuse pour lui rendre cet hommage et 30 ans, 20 ans, 50 ans plus tard, on fera la même chose. Que Dieu, que Jah nous prête longue vie et on sera toujours là. Guy, na pla langawana ntodo umsenam sango abina walo na malinga yana condition walo no bisobe se dinya ki na tewenge se kodia na biso omle mamwe se nika wena o wende muta bila langa ba ni mbale nde biana bana bongo fer ango sawo bongo na bane ba tobe se ina wa itonwa telepsongia bisope il m'aimait bien. So, comme ça. Merci. Ah, bonsoir, Tintin. Bonsoir, parfait Valère. Alors, nous sommes réunis ici pour un hommage à notre ami Guy Robert. 2 ans après son décès, qu'est-ce que vous ressentez? Je ressens beaucoup, beaucoup d'émotions, mais c'est assez bizarre parce que c'est... Je suis entre émotion, entre tristesse et joie. Et joie parce que je me rends compte que 2 ans après, Guy ne nous a pas quittés, Guy ne nous a pas lâchés. Guy est toujours présent parmi nous. Guilo est là. Et j'ai entendu mon jeune frère parler tout à l'heure. Bruno a dit que j'étais le dernier à voir Guy Robert. Et c'est réel. J'ai été le dernier à le voir, à part les gens chez qui il était. Guy était mon frère, mon ami et plus qu'autre chose. Donc je ne sais pas si vous voulez que je vous raconte les circonstances dans lesquelles je l'ai vu pour la dernière fois. Et si vous en avez envie, je vous le dirai plus tard. Merci, Tintin. Tu veux que je raconte? Bonsoir, monsieur Gilbert Dimo. Bonsoir, monsieur. Alors, ça fait 2 ans que nous avons perdu notre ami Guy Robert. Alors, à l'occasion de cette commémoration, qu'est-ce que vous pouvez dire sur votre état d'esprit? Ben, il y a un ensemble de choses. Déjà, dire quoi sur Guy? Il y a tellement de choses à dire que dans ce genre de circonstances, ce serait un peu... Il y a toujours beaucoup de tristesse et de la joie, de l'honneur d'avoir connu un artiste. Comme qui n'était pas qu'un artiste, mais qui était aussi un frère. Et j'avoue que il restera jamais dans nos cœurs. Quel est le meilleur souvenir que vous gardez de Guy Robert? Le premier souvenir de Guy Robert, c'était une séance de studio que je faisais pour lui, une de ses maquettes sur laquelle je jouais. À l'époque, il était encore au collège Intech, où j'ai fait sa connaissance par le biais de mon cousin Jacques Nemba. Et à partir de là, on a parlé musique et on est resté sur la musique. Mais il y a d'autres
d'autres parties où on a pris de la joie à vraiment se connaître, quoi. Ça part de la vie de tous les jours. Guy, c'est quelqu'un que je voyais régulièrement. C'était pas qu'un ami à temps partiel, quoi. Voilà, c'est un grand frère. Okay. Je suis heureux de l'avoir connu. C'était quelqu'un de bien, de professionnel. Okay. Monsieur Gilbert, il faut que je vous remercie. Je vous en prie. Bonsoir, le roi Polo. Bonsoir. Alors, on sait que vous avez eu à travailler beaucoup avec le feu Guy Robert. Alors, 2 ans maintenant qu'il est disparu, comment vous ressentez cette absence? Ben, l'émotion est la même et la tristesse est toujours aussi grande. Donc, quand on a une occasion comme celle-ci de nous réunir pour dire une petite prière à son honneur et en sa mémoire, je pense que c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouve autour des frères. Et je souhaite tout simplement que Dieu le prenne à ses côtés et qu'il repose en paix. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de meilleur souvenir que vous avez de lui? Il y a beaucoup de souvenirs, on va pas. On va pas juste tous un, les juste citer. Juste un. Tout le monde connaît la collaboration, tout le monde sait qui était Guy auprès de Sergio. Donc voilà, c'est. Les souvenirs, je ne peux pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont nombreux et je ne pourrais pas tous les citer. Je pense que les gens retiendront que j'ai fait une belle collaboration avec lui. Merci le roi Polo. Je remercie tout le monde d'avoir répondu présent à cette invitation. Vous savez, Guy est parti en 2015 et aujourd'hui nous sommes en 2017. Donc ça fait normalement 2 ans que Guy nous a quittés. Donc c'est pour ça que j'ai pensé, ma femme et moi, pour qu'on n'oublie pas Guy, qu'on puisse inviter les amis de Guy et sa famille autour d'un repas pour que Guy, là où il se trouve, qu'ils ne disent pas qu'on l'a oublié. Parce que vous savez, il y a un adage chez nous qui dit que les morts ne sont pas morts. Guy est parmi nous ce soir. Donc, ma femme et moi, on a pensé à cela. Et c'est pour cela que j'ai passé des coups de fil aux amis de Guy. Il y en a certains qui ne sont pas ici, à savoir Sam Bindel, qui est préoccupé en ce moment. Jusqu'à Mena et autres. Mais je pense que ceux qui sont là ce soir, c'est des gens à qui Guy avait beaucoup d'estime. Guy avait beaucoup d'estime pour vous. Et je me suis dit, il aurait fallu que je vous appelle autour d'un repas et pour que qu'on ait une pensée pieuse pour lui. Malheureusement, sa maman devait être là, vu son état de santé, elle n'a pas répondu présent. Nous allons prier pour elle. Donc, du coup, il va falloir que Guy, là où il est, qu'il sache que nous pensons à lui. Sergio va dire un petit mot, Tintin va bénir le repas et bon appétit à tous. Merci. Merci.
Merci pour le mot. J'ai pas grand chose à dire. Nous sommes tous les amis et les frères de Guy. C'est avec un énorme plaisir qu'on pense toujours à se réunir pour le repos de son âme. Je pense que nous savions tout ce qui était Guy pour nous. Et si nous sommes venus ici, c'est pour lui rendre l'amitié que nous avions aussi pour lui. Donc je pense tout simplement que Bébéni, c'était une initiative louable. Vraiment, vraiment, que tout se passe bien. Et surtout que Guy reste au fond de nos cœurs. On l'a si bien dit, l'artiste ne meurt pas. Depuis que je suis là, je ne fais qu'écouter ses chansons. C'est un plaisir. Vraiment, que nous rentrions tous sans problème. Et que Dieu nous bénisse, qu'il nous donne la santé. Parce que certains qui sont debout pensent qu'ils sont en bonne santé. Mais bon, je pense que si on ne prie pas notre Dieu, on ne sait pas de quoi demain est fait. Alors que Dieu nous bénisse tous, qu'on soit en bonne santé, qu'on rentre bien et que tout se passe bien. Merci. Nous prions. Ô Seigneur, roi des rois, sultan des sultans, créateur du ciel et de la terre, nous, tes enfants, sommes réunis ici aujourd'hui pour commémorer le départ auprès de toi, Seigneur, de notre frère, de notre grand frère. Seigneur, Dieu d'amour, Dieu de paix, nous implorons également que tu puisses prendre soin de lui, car dans nos vies, il restera à jamais. Nous remercions cette maison qui a accueilli, qui a eu la volonté, qui a eu l'initiative de faire ce geste de commémoration. Nous remercions les mains, nous remercions la pensée, nous remercions les poches, mais surtout aussi la volonté de chacun d'entre nous ici de s'être déplacé pour venir se joindre à cet instant utile, important dans nos vies, où, malgré le départ d'un de nous, il reste à jamais dans nos cœurs. Seigneur, donne-nous la force d'être aussi solidaires, de toujours penser à ta parole, afin que tu puisses nous guider vers le droit chemin. Nous allons partager un petit bout. Une fois de plus, Seigneur, toi qui sais à quoi on te demande, nous te laissons le soin de nous bénir ici, d'apporter ta grâce, afin que nous puissions à jamais être soudés. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Mona sango akire nomulema asiminda lukundungo tomi muse amandulu mumabele munguva muna nyandulu ziba mana mongo Mama da mongo, a mulher.
lui dire, j'ai pas oublié les moments où j'ai partagé avec lui. C'est pour ça que j'ai vraiment insisté de faire ce repas pour lui dire, c'est ses derniers mots qu'il m'avait. Il faisait les blagues ici à la maison, il était assis là et moi j'étais là. Et il me disait plein de petites choses. Et ensuite on est sortis, on est allé faire un tour. Et je regrette de ne pas avoir fait le dernier repas qu'on a eu à manger ensemble. C'était le tilapia avec du riz. Et il a très bien mangé. Et c'était mon dernier jour, le dernier jour où je l'ai vu. Et je suis en train de lui dire, viens parmi nous manger tout ce que j'ai fait. Ça me fera plaisir. Et merci encore, Guy. Repose en paix. Merci. Bravo à vous.